Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Summer Runners War, le conte de Light and Dark Only. Voilà, hein, c'est comme ça. Et donc là, nous allons faire un peu de PvP, histoire de tester un peu nos... les runages qu'on a pu faire sur le FRR. Alors, on regarde un petit peu ce qu'il y a. On va taper lui, voilà. Bon, c'est une guilde japonaise, hein, donc... Je sais pas trop un petit peu ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a des gros taux de défense? 4-10, 4-10, 3-11. Bon, il n'y a pas des très gros taux de défense. 7-7, ça c'est une bonne défense apparemment. Elle est très menaçante. Hein. Voilà, clairement elle était très menaçante. On va attaquer celui-là. Alors. D'ailleurs, attention, un peu du troll, non? Ce que je pense. Je vais dégager tout ça. Tac. Et voilà. Alors attendez, je vais reprendre ma petite feuille sur laquelle je m'étais noté des petits. Alors attendez. Des petits. Des petites types, voilà, des petites offenses, etc. Alors, il est. Voilà. Et là, je vais récupérer ce petit fichier, les amis. Alors, en PVP, ah oui, c'était ça, voilà. Okay. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en haut, ce qui va être la menace, hein, globalement, c'est ça. Voilà. Donc, si j'arrive à tanker les bombes, c'est gagné. Entre guillemets, hein, voilà. Bon. Bah là, pour le coup, j'ai envie d'y aller avec un Veromoth. Lead HP. Plus, pardon. Lead. Plus, voilà, potentiellement, on enlève les bombes. Il va me falloir quoi? Il n'y a plus de runes. Ah, ça, il se fait dépouiller. Il y a du strip, donc méfiance. Et il va me falloir quelque chose qui. Destroy les HP, parce que sinon. Il y a beaucoup de heal en face, donc je vais galérer. Quelque chose qui peut destroy des HP. Je pourrais aller avec ça. Ça détruit un petit peu les HP. Ça met de l'anti-heal. Ça pourrait être intéressant, cette team. Parce que je me dis, potentiellement, ça va crit, ça va crit. Et si ça me focus lui, ça peut faire le taf. Et je me dis, lui, qui break def. Et moyen que ça tabasse. Ouais, à partir de ça, les amis, on va voir. Donc ici, Jeanne Fengan Molly. Bon, il y a beaucoup de heal, hein, donc ça, on est au courant. J'ai envie de tester, les amis. Alors, je pense que c'est un peu du troll. Parce que j'ai pas d'artefact sur eux. Et je me dis, j'arrive à tuer lui direct, ça peut passer. Alors, je ne sais pas entrer les runages ici, ça va pas bouger. Voilà, lui, il est comme ça, en... très tranquille, honnêtement. C'est pourri, hein, voilà. Et lui, il est en vio. D'ailleurs, c'est peut-être dangereux qu'il soit pas en wheel. Hein. On verra. On verra. Lui, du coup, il est comme ça, en destroy. Voilà. Je me dis, parce qu'il y a beaucoup de heal hein, entre ça, là, il y a du heal et du heal, donc intéressant. Lui, il est en... comme ça, voilà. Il est tanky, donc... Et elle est assez tanky également, et en vio, donc on va voir. Ici, il va falloir du multi, hein, donc clairement, il y a une Léa. Après, je me dis, attends, si je dégage la Léa, est-ce que ça serait pas gagné? Genre là, j'y vais en... J'y vais avec une team rapide. Parce que je me dis, au pire, ça joue premier. Je strip, admettons, ça. Je tue ça. Il n'y a plus que ça à gérer. Et j'ai de quoi le gérer normalement. Ici. Alors, ici, pour le coup. Ici, pour le coup, c'est menaçant. C'est très rapide. Si je me prends le break dev, je peux crever. Donc. Je vais peut-être faire une team.
À base de Jeanne, Corona et Gorgo. Est-ce que ça peut passer, ça? Suis pas certain, pour être franc. Jeanne? Où es-tu, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Corona? Surtout que mon Corona n'est pas de 40, donc... Après, il est tanky, hein, on va pas se mentir. Et Gorgo. Ok, j'ai pas montré mes runages, je pense. Pas ou très rapidement, donc c'est comme ça, voilà. Hop. Et c'est comme ça, voilà. J'en ai l'envie au wheel. D'ailleurs, voilà, si vous voulez les explications de pourquoi j'ai runé eux, par exemple, en wheel, etc., je donne tout dans la vidéo sur le FRR, sur le point du FRR. Donc n'hésitez pas à les regarder. Lui, il est comme ça. Et lui, il est comme ça. On va voir ce que ça peut donner. J'ai un peu peur. Que ça m'outspeed, et là c'est la merde. Je vous le dis direct, c'est la merde. Et ici, pour être franc, est-ce que j'irai avec une Nil? Ça, pour avoir un peu de strip là-dessus, ça serait utile. Et pourquoi pas. Alors, en solo heal, j'ai peur qu'elle suffise pas, mais si j'y vais avec ça. Est-ce que de la résistance est utile? Non. Alors du tout crit light, pourquoi pas. Je suis à 100% de tout crit. Et ici je monte un petit peu. Et là pareil. Ouais, ça me va. Vas-y, on va tester cette team-là. On va voir un peu ce que ça. Si ça passe. J'ai peur que non, hein, pour être franc. J'ai assez peur que je me fasse éclater, mais que voulez-vous? Ok. Donc j'ai tout pris, hein, voilà. Là c'est dramatique, hein, parce que j'ai tout le monde qui est stun. Ah attends, s'il me tente. Ok, ça rejoue. Ok. 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 Ça stun bien. Ça joue beaucoup quand même en face. Hein. Ok. Lui, il peut pas se heal. C'est dramatique. Hein. Là, il faut que je tue ça. C'est clairement elle la menace. Parce que là, s'il me repose une bombe, elle me le tue et c'est perdu. Hein. Oh putain, elle me l'a tué. Fait chier. Ouais, là, je pense que c'est perdu. Lui, en fait, il est trop lent. Il joue jamais. Ça peut toujours passer avec 2-3 petits procs, mais ça, ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça joue beaucoup en face, hein, les amis. Ouais, c'est perdu. Alors, je pense que c'était pas une bonne team. Ok, elle a derp. Elle était quand même plus rapide que moi. Hein. Alors là, la menace, c'est clairement lui. Ok, double 1, ça c'est parfait pour rentrer. Ok, je tapais ici pour pas le faire jouer trop. Oh, il est on fire là, le Monty. Là, le Monty, les gars, il est on fire. Et là, boum. Ok, voilà, c'est gagné, je pense. Parce que là, peu importe ce que ça fait. Je peux essayer de strip. Bah, là, c'est pas gênant, hein, parce que je n'ai qu'à faire ça. Dommage. Non, là j'ai pas besoin, on va continuer. Et là je vais rebaisser ses HP à elle. Un petit 2. Je heal lui quand même. Parce que je veux pas qu'il crève non plus, hein, faut pas déconner. Il est on fire, mon tien. Je vous le dis. Ok, j'ai pas réussi à dégager le shield. J'arrive pas non plus à poser de breakdev. J'arrive à rien poser. Après, ouais, il y a un lead raise. Potentiellement à 100 res. Donc, bon. Est-ce que je peux poser quelque chose? Putain, je pose rien. Ok, je pense que là, j'ai mon quelque chose. Oh. Ouais, ok, dommage. Donc là, je me protect. Ok. Là, je pense que je mets sous 50% et ça tue. Bon, là, maintenant, ça va juste être long. Parce qu'il va juste falloir attendre, en fait, finalement, que. Je la destroy, voilà, tout simplement. Ça va être un peu long, mais que voulez-vous? Là, normalement, ça met quoi là? Ouais, ça peut mettre de la. Ah, dommage. J'aurais peut-être pu faire le S2 en y réfléchissant bien. Ok, là, c'est bon, je la tue normalement. Hop, ça dégage. 33 000, vous voyez? C'est une dinguerie. Ok, parfait, je suis bien plus rapide que lui. Ben, pour le coup, c'est chiant.
Parce que là, si je la break def, elle. J'ai pas le choix. Ah, j'en étais sûr, putain. J'en étais sûr. J'espère qu'elle est. Ah, elle est éteinte. Ok, ça a derp. Oh. Y a rien qui passe, hein. Oh non, et en plus, il proc. Oh non, ça c'est dramatique. Je vais essayer de tuer ça. Et là, on va essayer de dégager ça. Okay, je vais rajouter ça pour essayer de. Ok. Vas-y. Ok. Ah, bon, après, elle a fait son taf. Par contre, ça va être compliqué parce que du coup, j'ai plus du tout. Enfin, j'ai beaucoup. Ça, je vais garder pour après, je pense. Ouais, en plus, il est en con. Ah, peut-être que ça passe. Ah, c'est pas passé, putain, c'est tragique. Ok. Fouf. Ok, ici, je joue avant. Ah oui, mon speed tuning est pas bon, par contre. Je vais essayer de stun ça. Ok. Ouais, mon speed tuning est à chier en fait. Il joue en dernier. En vrai. Voilà. Je vais essayer de faire dodo à droite à gauche. Ça peut toujours servir. Et alors là, pour le coup, je fais pas mon S3 pour pas la réveiller. Mon S2, pardon, pas la réveiller. Stun. Ok, je vais me buff attaque. Il me buff tout crit. Voilà. Et là, par contre, je peux me permettre de faire ça. Bon, je lui donne un buff speed, c'est pas gênant. J'ai dismount. Je vais quand même les provoquer au cas où elles proc. Voilà, c'est pas grave, ça les heal bien, mais c'est pas gênant pour être franc. Hop. Ok, ça se tenait bien, madame. Je reconnais. Oh là là, ça c'est dramatique pour mon petit. Oh, je l'ai pas tué, par contre. Oh, shot. Ça, c'est la merde. Ok, ça, c'est pas mal. Je vais faire ça. Proc. Oh, elle m'a stun. Oh, non. Oh, ouais. Oh, vas-y, elle me stun à tous les tours. Ça va aussi. Cool. Je pense qu'elle a son S2. Donc, je vais pas me mettre de buff. Ok. Elle l'a fait, c'est-à-dire que maintenant, je peux le faire. Voilà, parfait. Et là, c'est tendu. Ok. Là, c'est tendu parce qu'elle, finalement, elle n'a pas tant d'HP que ça. Et mon Gorgo perd contre elle. Donc, oh, ça, c'est bien ça. Ok. Elle a à nouveau fait son truc. Ouais, faut que j'arrive à la dismount en fait. Mais j'arrive pas. Oh non. J'arrive pas à la dismount. Vas-y, je vais juste pas soigner là, je m'en fiche. Enfin, juste soigner à coup de S1 quoi. Ok, on va continuer. Ok, ça c'est pas mal. Le fait qu'il ait changé le focus, ah, ça c'est chiant. Come on. Ok. Et là maintenant, faire du full S1, on va essayer de pas trop stun. Hein. Super. Ok, on va juste taper un peu. Là, tant que je stun pas, en fait. Ah, je vais dire c'est gagné parce que. Oh, come on. Parce que sinon, il ne se soigne pas, donc. Hop, parfait, parfait. Là, prochain tour, pardon, je tue. Ah, non, pardon, my bad. Et elle, bah ça va aussi, hein. J'ai le droit de jouer. Ok, bon, pas mal. Alors là, attendez. Là, pour le coup, je suis chaud d'essayer de geler ça. Non, ça. Dommage. Voilà, bah c'est pas gênant, on va juste faire ça ici. Et je colle du 23 000. Ok, c'est pas mal. Et là, on va essayer de tuer ça. Boum. Ok, ouais, c'est pas mal. Ouf.
Ça, c'est sexy. Ok, là, on va juste tapoter sur elle, hein, on va tout doucement. Et là, Némésis. Lui est assez fragile, donc je vais le protéger. Voilà. Et j'ai pas envie, en fait, qu'il se fasse geler ou quoi, vous voyez. Ok, le prochain coup, j'ai ce qu'il faut. Petit proc. Dommage. Ok. Là, on va essayer de faire ça là-bas. 24K. Et là, on va essayer de taper ça comme ça. Ta, 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 ta. Ah, d'accord. Ça a full été là-bas. Ce team est pas mal, hein. Honnêtement, j'ai pas mal de heal. Et j'ai quand même du dégât. Bon, j'ai fait une 4-1 si je dis pas de conneries. Ouais. Y'a que la première team, en fait, où j'ai un peu merdé. On va essayer de taper un mec un peu plus haut niveau. Ouf. Ah oui, on n'est plus dans les mêmes teams. On n'est plus du tout dans les mêmes teams. Or, cette team-là, je pense qu'elle peut marcher encore une fois, hein, ici. Ici, c'est rapide. Mais vous voyez, ici, c'est rapide. Mais il n'y a pas de. Finalement, il n'y a pas de stripper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je peux y aller avec ma Fran, Lorraine, Crow, Tanky. Non, 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 je vais y aller avec ça ici. Et ici, je vais y aller avec ça. Pour le coup, je vais dégager lui, je vais mettre Veriza. Elle est plus rapide et du coup, je peux strip. Mince. Ça, c'est un peu chiant. Hop, viens là. Viens là, Jacqueline. Et là en bas, bah ça en bas, je pense que ça passe. Comme Kim. En haut, par contre, je sais pas trop avec quoi je vais y aller. En haut. Alors, en haut. Bah, en haut, pourquoi pas avec ça, ça et. Pas Van Cleef. On va tester, on va tester. Je vous montrerai les runages après en haut de elle. Et là, je vais aller avec ma. Lorraine Vio, voilà comme ça. Mafran Vio, comme ça. Tac. Et mon Crow. Alors là, pour le coup, mon Crow, je pourrais aller avec lui en wheel. Parce que finalement, je m'en fous. En fait. Je veux dire par là que ça va quand même faire des dégâts, mais en soi, je prendrai aucun break def. Je pense que ça se passe. Ici, on est comme ça. Mais en premier, c'est tuer ça. Là, j'ai. Une Iris qui est comme ça. Ce qui risque d'être chiant avec elle parce qu'elle va pouvoir lui donner des stacks. Et j'ai lui qui est comme ça. On va voir un peu ce que si ça passe. La première team, je suis pas du tout serein, pour être honnête. Je pense même que qu'on va perdre. Mais ça, j'ai du mal en fait à gérer les Odins. Hein, quoique, attendez, je suis quand même vachement plus rapide. Je suis quand même vachement plus rapide. Alors là, je peux faire ça. Voici deux stuns, c'est parfait. Et alors là, je peux essayer de faire ça pour essayer de stun également. Voilà, hop, c'est parfait, ça par contre, les gars. Ça, no joke, c'est parfait de ouf. Je vais le tuer une première fois. Ah, oh, ouais, parfait. Et oh là, ben, là, en fait, je vais bourrer ça tant qu'elle est stun, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Heureusement que c'était pas très rapide. Hein. Mais vous voyez, cette team, elle est vraiment cool. Hein. Et en fait, une fois que j'ai mis en place ma routine finalement de stun, j'ai plus de problème. Là, je me dis, je vais essayer de tuer ça direct. Parce qu'en fait, il va me faire chier, il va m'enlever des. Ok, c'est parfait. Il va m'enlever en fait des. Comment? Ok. D'accord, bon, si je te dérange, tu me le dis surtout. Je vais me garder lui pour la fin. Et parce que après, il peut m'enlever des debuffs et tout, c'est trop chiant. Oh, quoique, attendez. Quoique, attendez, 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 les gars. Là. Maintenant, on va taper là. Voilà. Et alors là, je vais tuer ça. Et je tue ça. Une première fois. Ouais, mais c'est pas gênant en fait, mec. Tu peux essayer de me tuer, je m'en fiche. Je vais le faire rejouer d'ailleurs. Le plus rapidement. Oh, putain. Il chie à proc, lui. Oh, sérieux? T'as fait quand même du 8K? Ok. Et. Oh, ok. Bon, on voit que c'est quand même assez lent, on va pas se mentir, regardez ça. Bah, du coup, on va strip ça. Enfin, on va pas strip, mais on va. Hop, ça dégage. On voit que c'est quand même assez lent. C'est pas très très bien ruiné pour être honnête, mais
Globalement, on voit que les teams fonctionnent. Hein. C'est de stun encore. On tue ça, et là, il n'y a plus de menace. On tue ça, et après, bon, bah. Finalement, c'est une promenade de santé. Je vous le dis. Hop là. Et ça fait le taf, c'est gagné. Donc, ma foi, plutôt intéressant. Ici, bon, bah, vous voyez, de toute façon, quand même, j'aurais joué après. J'aurais pu prendre ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Le problème, c'est que lui est ultra lent, en fait. Je vais essayer de. Voilà, dégager ça. Le relou. Bah là, en vrai, attendez. J'essaie de strip ça. Oh bah. Ah oui, bah attendez. Elle est on fire, ma frane. Je pense que je le tue. Voilà. Bon, bah, c'est gagné, hein. Voilà, oh putain, Lorraine, les gars, elle est on fire. Hein. Ouf. Voilà, hein, ça n'a pas joué en face, mais Lorraine on fire. Là, ce que je vais faire, c'est aussi de geler ça. C'est parfait. On va essayer de tapoter ça. Ouf. Et on one shot ça. Parfait. On tape ça. On gèle ça. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de contrôle. Hein. Mine de rien. Vas-y, S2. Non, dommage. J'ai du break def aussi, donc. Team très très intéressante. Je pense pas qu'elles sont en vieux là. Hein, pour être franc. Et ça dégage. Voilà, bon, en tout cas. Vous voyez, les runages sont tout concluants. Bon, j'ai quand même 2-3 trucs à refaire. Je pense notamment à mon Corona qui est beaucoup trop lent. Pourtant, attendez, c'est dans cette team que je comptais le jouer. Ouais, je comptais le jouer dans cette team, je sais pas ce que j'ai foutu. Je dois être full bourré, les amis. Je dois être full bourré. Mais voilà, en tout cas, bon, bah, les runages font le taf, je suis content. Faut que je rerune ça d'ailleurs, ici. Parce que, bah, par exemple, Belladéon, on n'a plus de runes, donc ça peut pas gagner. Je crois que lui a perdu quelques runes, pour être honnête. Ouais, lui, il a perdu des runes aussi, donc il faut que je rerune un peu tout ça. Et puis voilà. Voilà, j'ai peut-être de quoi surprendre un petit peu, donc. À voir. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me voir en live, ben, n'hésitez pas à venir sur Twitch à rejoindre mon Discord pour être notifié ou pour venir discuter tout simplement. Tous les liens sont dans la description. Et je vous mets à disposition de nouvelles vidéos. Bonne journée!